Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intitulé Passé, présent, futur pour les poissons signe solaire ou ascendant poisson ou lune en poisson. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour faire le tirage, on va utiliser le Fairy Tail Tarot Deck et puis on va utiliser aussi un oracle qui s'appelle l'oracle de l'énergie. En quoi consiste ce tirage? Nous allons partir d'une situation passée que vous avez vécue pour la ramener au présent, en voir les conséquences. Puis après, on regardera l'évolution possible de cette situation, le devenir. Donc, je vous rappelle que la guidance est générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Donc on y va, on va placer tranquillement les cartes. Ici, on a le passé. Qu'avez-vous vécu dans le passé? Trois cartes. Ici, on va avoir en dessous le présent. Qu'en est-il de cette situation au présent? L'avenir possible de cette situation. Trois cartes aussi en bas. Allez, hop. Allez, on regarde le passé. Le 5 de denier, l'as de denier et le jugement. Ok. Dans le passé, vous avez vécu un coup dur au niveau sentimental ou au niveau financier matériel. Vous avez vécu un manque à ce niveau-là avec le 5 de denier, ou bien vous vous êtes senti dévalorisé concernant une situation. On me montre un empêchement par rapport à une construction ou une création ou un engagement. Vous avez été peut-être même un petit peu choqué par rapport à cet événement. On me montre un manque qui a été vécu difficilement, un manque de construction dans une relation ou dans un projet, et des difficultés à pardonner ou à se pardonner. On va prendre une carte de l'oracle, hein. On va accompagner avec celle-ci, le soleil. Le jugement vous a permis une prise de conscience, accompagnée du soleil. On nous montre ici une clarification des choses dans votre tête, dans votre esprit. Ok, vous avez vécu ça, mais vous en étiez très très conscient. Voilà, vous n'avez pas ignoré cette situation. Avec le soleil, on sent ici une grande prise de conscience aussi par rapport à cela. Le soleil, ici je vais l'interpréter à inversé, cela correspond à un empêchement, à un blocage par rapport à un nouveau commencement. Vous vouliez mettre en place un projet important qui vous tenait à cœur et ça n'a pas pu être possible. Manque financier, manque de matériel ou manque affectif, manque d'accompagnement, d'aide, même humaine, on n'a pas pu concrétiser sur le moment. Alors, au présent, le 2 de denier, le 6 de bâton, le valet de bâton. Alors, au présent, on est encore en train de chercher des solutions concernant cette instabilité. Alors, ici, vous jonglez avec deux situations différentes pour pallier à un manque. Donc, vous pourriez vivre encore quelque chose d'un petit peu instable sur le présent, mais ça vous mènera quand même à la réussite.
parce que là, il y a vraiment une nouvelle voie à emprunter, une voie que vous désirez, que vous souhaitez. Donc, peut y avoir un retour de cette situation passée qui pourrait être favorable et vous allez envisager les choses de manière différente. En tout cas, il y a du succès autour de ça et une nouvelle ouverture. Peut y avoir une répétition de schéma. Vous n'avez pas pu concrétiser dans le passé, mais la situation revient à vous et vous essayez de pallier à ce manque pour réussir et emprunter une nouvelle voie. Cette voie peut être professionnelle ou c'est à propos d'une relation. Action. Ouais, vous êtes dans l'action. Vous êtes à même de poser des actions, d'agir, d'entreprendre en fonction de votre désir. Alors la carte numéro 17 nous parle de volonté et d'effort. Vous allez travailler dur, agir pour atteindre votre objectif. On vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie et vous êtes prêt à maintenir vos efforts dans la longueur pour réussir. Alors, dans le futur, on a le 5 d'épée, le 9 de denier et l'empereur. Dans le futur, vous pourriez faire face encore à des difficultés en termes de communication. Vous avez besoin, ici, avec cette carte, de vous affirmer, de vous positionner par rapport à la situation vécue. Le 5 d'épée me dit que vous pourriez employer une communication assez tranchante, assez ferme, dans cette situation pour atteindre votre objectif. On sent que vous voulez réussir dans l'avenir ce que vous avez éventuellement échoué dans le passé. C'est important pour vous. Ici, vous avez appris quelque chose. Et donc, au présent, vous palliez à ce manque pour réussir à l'avenir. Donc, visiblement, vous prenez des décisions fermes et tranchantes et peu importe si les autres sont d'accord ou non avec vous. Donc, peut y avoir des conflits avec des tierces personnes de votre entourage à l'avenir. Mais peu importe, vous allez être récompensé. Ici, on me parle de récompense financière ou matérielle ou professionnelle. Et vraiment, le fait de se poser, de s'affirmer à l'avenir. Et puis, vous pourriez construire quelque chose de sérieux sur du long terme avec l'empereur. Chemin du temple. Alors, le chemin du temple représente votre but. Vous êtes soutenu dans votre objectif. Il y aura vraiment une évolution. Vous êtes dans la bonne direction, sur le bon chemin, et l'univers vous aide à maintenir vos efforts, vous aide dans votre force, votre persévérance pour atteindre cet objectif. Ici, vous n'avez pas pu atteindre votre but. Malgré votre bonne volonté, ce n'est pas votre faute, vous n'êtes pas responsable. Ici, il y a eu vraiment des manques. Vous tentez de pallier à ces manques ici, actuellement. Vous agissez pour atteindre votre objectif, pour ouvrir cette nouvelle porte qui s'offre à vous, que vous désirez. Vous avez la réussite. Vous allez faire face à des complications à l'avenir, mais peu importe si les autres ne sont pas d'accord, vous aurez le dernier mot pour atteindre votre objectif, puisque je vois une récompense et un cadre de poser, une mise en place avec l'empereur, quelque chose qui sera stable sur du long terme. Et vous êtes aidé par l'univers par rapport à ça. Vous avez du soutien. Le soutien de vos guides. Voilà mes chers amis poissons, j'espère vous avoir aidé grâce à ce tirage passé, présent, futur. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, de prendre bien soin de vous et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres tirages. À bientôt. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.